J'avais dit combien? 15 bottes de carottes. Une chose est sûre, Patrick Mallier n'a pas perdu de vue son but, produire des légumes bio en ayant le moins d'impact possible sur la planète. Quand il décide d'installer une éolienne chez lui en 2008, c'est pour faire fonctionner de façon autonome les pompes d'irrigation, la chambre froide, le chauffage. Voici ce qu'il reste de l'éolienne 10 ans après. Des pièces détachées dans une remise, comme cet aérogénérateur avec une fausse étiquette CE et ses pales en aggloméré. C'est mou, c'est fragile, et quand il y a avec du vent, le vent, l'éolienne s'emballe, ça devient dangereux. Ça tourne à une vitesse de plus de 300 tours minute et laisse tout vivre, tout explose. Et certains de clients comme moi, ils ont eu leur éolienne soit qui a pris feu, soit que les pales se sont explosées. Parce que c'est franchement du matériel de très 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 mauvaise qualité. Coût de l'arnaque, 55 000 euros. Et une conséquence lourde pour la vie personnelle de ce maraîcher. Il n'a jamais pu finir sa maison près de ses serres. Avant, j'habitais dans cette partie-là. J'avais fait une cabane dans la serre qui me permettait... Bon, en été, c'était très agréable puisqu'il faisait une chaleur tropicale. Bon, l'hiver, c'était un peu limite puisque des fois, l'eau du robinet était gelée. Mais j'ai survécu quand même. Après 10 ans de procédure, Patrick n'attend plus une indemnisation, mais au moins une reconnaissance de l'escroquerie. Donc ce que j'attends, c'est surtout justement que justice soit faite. Aussi montrer que escroquer les gens et vendre du matériel d'aussi mauvaise qualité, c'est interdit, ça ne se fait pas. C'est de l'abus de confiance. Grâce à un mouvement de solidarité, Patrick a pu commencer à construire sa maison et à vivre au chaud. Dans quelques jours, il pourra classer ses dossiers dans son placard et tenter d'oublier ses 10 ans de procédure contre France Éolienne.